Sports. It's in the game. Bonjour, bonjour, suite de notre mode carrière dans Madden 2024. On continue avec la 8ème semaine du championnat. Alors, match retour contre l'équipe de Washington. Alors, on a fait un sacré match la dernière fois qu'on s'était affronté. Il y avait eu quelque chose comme 40-30. Ça avait été extrêmement serré. Très clairement, notre objectif c'est de chercher la victoire. Et en seconde partie de vidéo, on s'attaquera à la semaine numéro 9 contre l'équipe de Dallas qui, comme nous, n'a perdu qu'un seul match depuis le début de la saison. Donc ça va être important de faire un bon match et espérer aller décocher la victoire. Mais avant ça, comme d'habitude, un petit peu de préparation également. Des interventions extérieures. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On a des fois des entraînements, des demandes de sponsoring, c'est notre agent. Par rapport aux marques. De la vitesse généralement, hein, de toute façon vous l'aurez compris, je prends vitesse et passe à moyenne portée, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans les matchs. Ah, on a passé à un niveau encore, je me dis mais qu'est ce qui se passe. Niveau 12, on va pouvoir aller ventiler un point. Donc pour l'instant, depuis le début, on en a mis un petit peu partout. Je crois que normalement, les toutes nouvelles cases... Ah si, il y aura un moment donné, pour passer de 84 à 87, il faudra 2 points supplémentaires. Ça aurait été bizarre. Je pense que ça va être là-dedans, voilà. Justement, depuis le début, on avait quelque chose de débloqué, il nous manquait... Donc là, on peut voir, hein, pour avoir la deuxième étape, il faudra monter au niveau 90, et également, les passes médiums, avoir un... être à 50. Ouais. Tiens, si, hop. J'avais pas vu d'icône. Généralement, il y a un petit point rouge quand il y a des choses nouvelles qu'on peut aller. Parce que le jeu a un gros souci. Alors, je vais même pas parler d'optimisation. Parce que globalement, le jeu en in-game tourne très bien, tout à fond. Et puis, alors, dans le menu du jeu et dans le menu, là, il y a une espèce de ralentissements qui sont complètement immondes et qui sont incompréhensibles. Donc c'est vrai que j'ai tendance à pas trop me balader dans les menus. Ça donne pas envie d'aller voir s'il y a des trucs qui ont bougé. Allez, c'est parti, Washington acte 2.
On sait que ça peut être un match compliqué. Après, encore une fois, on a quelques matchs dans les pattes maintenant. Notre quarterback a quelques aptitudes qui se sont améliorées. Mais on l'a vu, hein, l'attaque adverse et notre défense, sur lesquelles on n'a pas la main, encore une fois. C'est ça qui fait énormément le match. On l'a vu contre l'équipe de Miami, qui sur le papier était une très grosse confrontation, et on les a complètement labourés parce que notre défense a été assez efficace. Hein. Bon, premier match, on était à la maison. Là, pas la même. La récupération. Après une petite minute de jeu. Alors on est à 20 yards de notre rendu. On va refaire la même, alors tant le joueur avait pas l'air d'être trop embêté. Waouh, ce plaquage! Hein. Il a eu les pattes en l'air. Si on nous le remontrait, plaquage était impressionnant. Alors, je retends très bien la même. On a 5 yards, à mon avis, on peut. On peut y arriver. Oh merde, il le pousse. Il le pousse et pas du bon côté. Bon, alors est-ce qu'on va me redonner ma chance ou pas? Je sors. Hachi commence mal. Hein. Puis alors, vu la distance à laquelle ils sont de notre rendu, à 8 yards. Je les verrais bien ouvrir le score. Eh non, ça a récupéré. Bravo à ma ligne de défense. J'aurais préféré que mon collègue le pousse. Ça repart à 30 yards. Des fois, si on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même. Ouais. Ah là là. Ah ouais, je vous comprends pas, lui, ça fait deux fois là. Comment ça va être vexant. Encore une fois, c'est la percée qui est. Même si j'ai un peu peur, hein, en passant entre les. La défense adverse. On est reparti. Ouais, là c'est réussi. Ça avance.
ça en touche. Ou pas, je vois que le temps continue de tourner. J'ai 4 passes à tenter. Les 10 yards sont passés. Encore une passe. De toute façon, même sans forcer, là on est un peu obligé d'y arriver. Ouais. Voilà. Profiter du trou. Cette fois-ci, j'ai bien anticipé le. Il y avait un joueur qui courait après un des miens. J'ai très très tôt tourné pour éviter qu'il ait envie de me choper. C'est là où on voit que les bonus de vitesse à l'entraînement sont les bienvenus. Ouverture du score à la toute fin du premier carton. Alors sachant que c'est eux qui attaquaient, logiquement, en début de troisième carton, c'est nous qui attaquons. Donc on fait le break. Transformer. C'est récupéré. Alors passe consécutive. On va tenter 4, mais j'avoue, je suis pas très serein au vu de notre prestation depuis le début là. Ouais bah voilà, ça commence. Bon, mon choix était mauvais. Ah, pourquoi je veux absolument la passer à droite. On va inverser. Cette fois-ci, au moins, il est bien dégagé. C'est bien. Fallait inverser les leurs. Ouais, on va inverser comme j'ai naturellement plus envie de passer à droite visiblement sur ce match. Ah merde. Putain, je l'ai pas vu arriver cette foire. Il a bien fait le tour. J'ai déclenché ma passe un peu trop tard. Allez, avec ces conneries, on a été reculé à 17 yards. Bon, on va inverser ça, ça nous porte toute chance. Faut juste que je me méfie des petits cocos qui nous contournent. Ouais, voilà, c'est bon, c'est passé. Il nous reste une passe à faire. J'ai peut-être ma petite idée pour l'assurer, même si je peux toujours nous surprendre. Ouais, faut qu'il s'y mette à deux. Hein. Les suggestions du coach, voilà. On va faire une passe sur le R1. Voilà. Objectif va y avoir le 2 minute warning, timeout. Rapproche de l'embu. Toujours 7-0. Si on pouvait le mettre, ce serait. Ça serait très bien. Je suis assez surpris des schémas tactiques qu'il nous propose notre ami là.
Allez, en soi, mon garçon. Troisième essai. Putain, et je sors. Que c'est frustrant. Alors, ils ont joué le. Ils ont joué le tête. Attends. Non, 3 points, donc ils ont botté, on a eu 3 points, on est monté à 10, et eux ont eu le temps de nous coller un tir également entre les poteaux, donc en gros, y a rien qu'à bouger. Jouer du score. Alors là, mon pote, s'il y arrive, waouh, avait déjà fait un coup pareil. Ils ont été surpris, hein. À force de la jouer très courte et moyenne passe, de temps en temps, faut être un peu couillu. Ah, le 13, le. Ah, il est en bout de course. Hein. Bravo. Ah, ça fait plaisir. Bah, ça va. Ça va taper, on monte à 17. Ça fait qu'on aura 14 points d'écart, donc ça fait un touchdown transformé, deux touchdowns transformés d'avance. Voilà. Comme je le disais, hein, c'est nous qui avons la possibilité d'attaquer, comme c'est eux qui ont commencé au premier quart-temps. Assez propre. Ah, priorité alerte, score. On s'en fout. C'est pas ce avec qui on se tire la bourre en haut du classement, donc ça m'intéresse pas spécialement. Je crois que sur ce run j'ai 4 passes à faire. On en profite, on avance gentiment. On va tenter un schéma un petit peu différent. On recommence à. Ah, joli. Petite passe à. Non. Waouh. Comment il l'a poussé? Bon, non, c'était pas des passes d'affilée qu'il fallait réussir. Un mauvais choix de joueur. Là. Ouais, par contre, il nous reste plus qu'un essai pour franchir cette saleté de ligne. On va tenter une aspiration des joueurs vers au loin. Et puis j'ai mon R1 qui peut-être me proposer un truc sympa. Ouais, non.
Non, non, oh, ben, on va y aller. Et on y va. Ouais, la manière dont leur défense s'est disposée m'a pas encouragé à faire ma passe. Vingt-trois trois. Si bien, on fait un bon match pour l'instant. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Non, c'est de nouveau arrêté. Ah, décidément, notre défense s'est bien améliorée hein, par rapport au premier match qu'on avait. Alors, on peut voir, hein, LA Dallas 9-7 pour l'instant. Léger avantage. Toujours dans le troisième carton. Ah, ici. Ah, il a gardé le ballon. Pas de 6 yards de leur en but. Vingt-huit treize, New York contre New York. Combat fratricide. Allez, on va tenter une petite percée. Surtout à cette distance, ils n'ont pas trop l'habitude. Sur un malentendu. Ah! Je sais plus qu'il allait au bout. On va tenter une virée à droite. Et nous on passe à gauche. On va récupérer décidément, ils ont du mal à concrétiser. Ah, on me demande de perdre du temps. Ok. Le score, il va être arrêté, puis le temps va se mettre à rouler. Alors, ce qui m'embête là beaucoup, c'est qu'on parcourt un seul petit yard. Hein. C'est un coup à perdre la balle. Et avancer un petit peu plus. On a 2 yards du objectif. Est-ce que j'ai fait mon objectif de temps que je puisse passer à autre chose? Non. Reste. Bon, ça va être bon. Hein. Ça va être bon, donc on va repartir sur une passe. Ça y est, l'objectif de temps est fait. Il ne faut pas que je me foire. Hein. Nice. Bon, par contre, on n'a pas intérêt à aller trop vite non plus. Le fait qu'ils aient mis 3 points, ça me va bien. On a une tentative avant le.
l'arrêt à 2 minutes. Qu'est-ce que je peux faire? Ça marche pas super. C'est 40 secondes à peu près le temps d'attente. On va. Ça sert à rien d'attendre plus. Voilà. Allez, 40 secondes. 40 secondes, donc on va aller aux 2 minutes. Là, on a 3 yards à faire. Je partirai bien sûr. Schéma comme ça. Pour la prochaine fois. Voilà. Ils sont grands leur stade. Ouais. À 21 yards hein, leur ligne d'embut. À 2 minutes pour la franchir, c'est largement réalisable. Le temps va une nouvelle fois tourner. Ah, joli. Ah, 28-22, ça se resserre en bas. Attends, je suis le score des autres matchs. Ah, joli. Poussé mais un poil trop tard. Petite danse de la victoire. Encore un deuxième match. On s'impose avec la manière. Bon, 51 secondes, ils peuvent toujours marquer. Mais... ça serait quand même fort au vu de ce qu'ils ont pas réussi à faire pendant tout le match. Ouais. Ça n'a pas été au bout. Bon, belle victoire. Ils n'ont pas réussi. Hein. Premier, troisième et quatrième carton, ils n'ont pas marqué. Hein. Ah, on a des nouvelles visières de couleur. Sympa ça. Ah, un petit... Il faut un truc pour les soldats, ça se fait beaucoup. Hein. Les États-Unis, notamment au niveau de la WWE.
On va avoir un nouveau Mousquetome. Qui font encore référence au mode showdown. Allez, on va se préparer pour le prochain match. 9e semaine. Avec mes crédits, je crois que je peux acheter des nouveaux moves. Je sais plus, j'ai regardé à un moment donné, et il en fallait moins 5000 ans. Alors, mini-jeu. Tu vois, j'ai pas dû vous le montrer encore. Nice. Là, j'avoue, j'aime pas trop les schémas qu'on me propose. Le problème, c'est si on foire une passe. Putain, voilà. Tout notre bonus de multiplication. Oh, mais à chaque fois, il se fait. Tu vis, hein. Ouais, merdé. Complètement merdé. On a perdu des points. Après une très bonne série là. Compliqué. Le rond, je le sens bien. S'il arrive à. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal l'argent. Alors on le voyait, hein, au-delà des. Je crois qu'il y a un bonus de points. On a également des avantages pour le match suivant, et c'était notamment dans les passes médiums, ce que j'aime beaucoup. De la vitesse. Donc je l'ai souvent dit, hein, confrontation importante à venir avec cette équipe. Alors ils ont perdu leur deuxième match, ce qui fait que finalement on a une victoire de plus. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont également un match de moins.
par rapport à nous. Sacré stat, hein. Ils lui ont pas mis 100, mais ils avaient envie. Alors, on commence à attaquer donc troisième carton, ça sera eux qui taperont. Ce qui nous met la pression, on se doit absolument de terminer les deux premiers avec un avantage numérique. Et on va commencer fort. Récupérer. Non. C'est dangereux ça. On échoue à pas grand chose. Hein. Salut.
Ça va au bout, ça répond. J'en attendais pas moins. Moins 2. Alors qu'on est toujours dans le premier carton. Merde, putain. J'étais en train de regarder le rond là-haut. J'ai vu que j'étais plus défendu. Là, par contre, on a vachement reculé. Hein. Faut pas prendre trop de risques là si on veut. Bon, cette fois-ci, j'étais bien protégé. On aura eu une tentative pour taper 9 yards, c'est pas gagné. Passé. On a bien rattrapé notre la poupée. On va tenter autre chose. Je sais plus que ça allait se transformer en mêlée de rugby. J'ai peur qu'il a perdu. Hein. Qu'il l'a poussé dans le dos. Là, c'est... On se rapproche lentement du time out. Si on termine le carton sur ce score, c'est bien. En tout cas, c'est le moins pire qu'il faut qu'on fasse. On va aller au time out, on va se positionner là-dessus. On va aller au bout. En 1:55, ils ont le temps d'aller en retaper.
Ah, ils vont au bout. Ils vont au bout. Ça marche. Joli. Ambitieux, hein. C'est ambitieux. Ah, elle est vieille. Ah, il la récupère pas. C'est bon. Bon, 14-21, c'est serré. Ils sont en moyen de revenir au score. Un match qui s'annonçait compliqué qu'il est. Ah, les Raiders aussi, un beau palmarès, 2 victoires, 6 victoires, 2 défaites. Ils sont pas dans la même conférence que nous. Terminer leur match.
Ouais, ça revient au score. Hein. Là, faut pas perdre la balle, hein. La même qu'en début de match. Ils ont largement le temps de revenir. L'idéal, c'est qu'ils mettent beaucoup de temps pour le mettre. Bon, pas trop non plus. Qu'on la récupère, on va voir. Pour l'instant, ils ont quand même souvent marqué. Hein. On va voir. Ouais, s'arrêter. 2 minutes 32. Ouais, les 25 passes, c'est un peu ambitieux, je trouve. Alors, je sais pas si c'est au pro. Enfin, c'est modulé, mais en fonction qu'on fait des cartons de 2, 5 ou 10 minutes, c'est pas du tout pareil quoi. C'est pareil, si on a un objectif de que le ballon soit pas intercepté en fonction de la longueur du match, quand même, statistiquement, plus le match est long. Plus c'est dur de tenir la stat. Une nouvelle fois. Ah, le rond est bien à chaque fois. Ah, le coach, il sent que ça se rapproche de son but. Hein. 34 yards. Ah non, c'était une connerie. Hein. C'était une connerie. J'ai eu du coup que ce soit pas intercepté. On s'est bien rapproché. Là que le coach il me proposait certainement ce que j'ai joué pour l'instant. Je trouve que ça marche bien aussi. Pas avancé beaucoup même. Fin du carton 21-28. Léger avantage au score. On a l'avantage parce qu'on est en train d'attaquer. On a 11 yards, hein, de l'embu. On va essayer de se rapprocher un peu plus. 5 yards. Pression monte. On
supporter la pression. J'ai pas compris, j'ai appuyé sur R1 et la passe est pas. Ne s'est pas faite. C'est risqué à cet endroit-là, mais vu qu'on a reculé beaucoup. Pas trop aimé ce que m'a fait le jeu. Nice. À croiser. Cette fois-ci, c'était à gauche que c'était mieux engagé. À droite, j'ai vu mon joueur était un peu. Tout masqué. Il fallait pas qu'il merde la réception. Il fait le break. Faut qu'on tienne 3 minutes 55. Alors attention, le timeout. Foutre le bordel. Tout va dépendre de la rapidité à laquelle ils vont soit perdre le ballon, soit marquer. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Kick-off. Ça tape. Ah non, ils ont marqué, ils ont fait un touchdown. Transformé, bon. 2-43, ouais. Ça sent pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il propose le coach? Je suis sûr qu'il propose des traversées, mais c'est extrêmement risqué. Ouais. Je vais tenter moi de mon côté de partir à droite. Merde, ah, j'ai eu peur. Waouh, bah dis donc, j'ai été châteux là. Ah joli. Bien revenu dessus. Est-ce qu'on va revoir la première tentative de. Là. Waouh. C'était magnifique. Il y a le 23 qui a fait je sais pas quoi sur le 6, ça l'a perturbé. Donc très bon plaquage du numéro 7. Ah ouais, c'est. Esquive et. C'était sublime. Donc là on nous dit hein, perdre du temps, bah, tu m'étonnes. Bon, par contre on a bien retraversé le terrain. Là, un touchdown de l'égalité. Non, non. Pas prendre de risques. À notre tour maintenant. Ah, ils jouent leur timeout. Hein. Et oui, ils sont pas bêtes. Ils sont pas bêtes. Ouh, genre, je sais pas combien on en a marqué là, depuis le début. Je crois que c'est peut-être le troisième. Ah, tu te 41. Même si remarque on est toujours on sera toujours devant. Ah, ils vont. Ah, ça s'arrête juste avant.
qu'on est à 11 yards de notre en but. Ouais, ils l'ont arrêté en extremis. Là, bien sûr, notre objectif, c'est de pas perdre le ballon. C'est Penny, non, qui part sur le côté. Non, c'est nous qui fait un tour. Oh là là, là. Et ouais, ils l'ont pas vu venir celui-là. Il y a eu encore une jolie petite esquive. On peut nous la remontrer. Ouais. On a un peu du mal hein, sur les replays. Bon, un match qui aura tenu toutes ses promesses. C'est dommage qu'ils... Ah, s'ils étaient revenus au score, ça aurait été vraiment haletant. Là, par contre, là, il s'écroule sur la fin. Ils misent le tout pour le tout. Hein. Ils prennent des risques. Ah, ils n'auront pas le temps. Même de beauté. Belle victoire. Agent pour la suite. Alors, on peut le voir hein, au niveau des courbes de score, hein, ça s'est bien tenu pendant tout le match et à la fin ça a complètement explosé, mais encore une fois certainement ils ont pris des risques hein. À la fois en attaque et en défense. Des petits points à dépenser. Je crois que dans les passes médiums maintenant c'est 2. Hein. Ouais. Ouais, 25 passes demandées, on en a fait 13. Parce que l'objectif est pas forcément adapté, mais alors faut vraiment se forcer à faire que des passes, c'est un peu dommage, je trouve. C'est bien quand même de varier les ce qu'on a à faire en fonction des situations. Eh, on voit que notre home sweet home a... nous l'avait évoqué, hein, il a bien. C'est plus cossu, hein. C'est chouette, ça fait moins chambre d'étudiant. Hein. C'est tout de suite le mec qui a beaucoup trop de fric. Ah, on a un joli billard, une jolie collection de ballons et de casques. Allez, fin de notre épisode. La prochaine fois, eh ben, on affrontera. Alors, pour la première fois, l'équipe, je crois que c'est Kansas City. Première fois, très clairement. Là, on s'est bien positionné pour être qualifié pour les. Playoff, mais encore une fois, de mémoire, c'est à la semaine 13, hein, où ça commencera à se dessiner suite au prochain épisode.